Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Excel dans laquelle nous allons voir une méthode pour diviser une cellule en diagonale afin de rendre l'en-tête d'un tableau plus clair et plus esthétique. Ce tableau contient des données en ligne et en colonne. Nous souhaitons diviser la première cellule pour y afficher les titres des données. La première chose à faire va être d'écrire les titres sur deux lignes dans la cellule. On écrit donc le titre de la première ligne en premier, puis on saisit Alt Entrée pour passer à la ligne à l'intérieur de la cellule, et on écrit le nom de la première colonne. Nous pouvons déjà nous occuper de l'alignement du texte dans la cellule. On aligne tout le texte à gauche et on insère des espaces devant le premier titre pour l'aligner à droite. Le nombre d'espaces dépendra de la largeur de votre cellule. D'ailleurs, si votre cellule est plus haute, vous pourriez ajouter des lignes supplémentaires, toujours avec le raccourci Alt Entrée. Avant de passer à la suite, nous allons insérer des bordures à notre tableau. Tout d'abord, toutes les bordures pour créer des bordures intérieures, puis une bordure extérieure épaisse. Et maintenant, nous allons insérer une barre pour séparer nos deux titres. Toujours en étant positionné dans la cellule, on effectue un clic droit, puis on choisit « Format de cellule ». Dans l'onglet « Bordure », nous pouvons tout d'abord choisir le style et la couleur de la séparation, puis soit cliquer sur la commande de l'angle, en bas à droite, soit cliquer directement dans le schéma pour positionner la barre oblique dans le style que nous lui avons choisi. Ensuite, nous validons. Une dernière chose avant de terminer, il est possible de modifier la mise en forme individuellement pour chaque titre, à l'intérieur d'une seule cellule. Pour cela, on sélectionne la partie du texte à modifier, puis on change ses paramètres. Tout cela sans impacter l'autre partie du texte de la cellule. Savais-tu que tu pouvais également modifier l'inclinaison du texte dans les cellules Excel? J'en parle dans la vidéo qui s'affiche sur ton écran. N'hésite pas à liker cette vidéo ou à me laisser un commentaire. Ça m'aide beaucoup à faire connaître mon travail. Je peux ainsi continuer à te proposer de nouveaux tutoriels chaque semaine. Et je te dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel. Thank you.